Avec ce sommet organisé dans la station balnéaire russe de Sotchi, le maître du Kremlin, principal soutien de Bachar al-Assad, veut préparer l'après-conflit, alors que le régime, soutenu par l'armée russe, a repris une grande partie du territoire syrien aux rebelles et terroristes. Vladimir Poutine a déclaré, en ouverture de ce sommet qui se tient à quelques jours de nouveau pour parler à Genève, qu'une vraie chance de mettre fin à cette guerre civile, datant de plusieurs années, est enfin apparue. Grâce aux efforts de la Russie, de l'Iran et de la Turquie, nous avons pu éviter un éclatement de la Syrie, empêcher qu'elle se retrouve entre les mains des terroristes internationaux, tout en évitant une véritable catastrophe humaine. Une vraie chance est apparue pour mettre un terme à cette guerre qui a duré des années. Le président iranien Hassan Rouhani a quant à lui salué le rôle que son pays a joué aux côtés de la Russie et de la Turquie en déracinant Daesh de la région. Nos interactions dans ce sommet démontrent comment nos trois pays, à travers l'amitié et la collaboration, ont réussi à éradiquer les racines de la corruption et de la terreur, ainsi que l'ombre de Daesh et ses racines du sol syrien, et à offrir une belle perspective pour ce pays. La Russie et l'Iran, alliés du régime de Damas, et la Turquie, soutien des rebelles syriens, sont les parrains du processus d'Astana, la capitale kazakhe, qui a permis la mise en place de 4 zones de désescalade sur le territoire syrien. Ces mesures ont permis d'abaisser la tension sur le terrain et de réunir autour d'une table des représentants du régime et de l'opposition pour parler de questions militaires, alors que les pourparlers politiques de Genève étaient au point mort. Moscou veut désormais trouver un relais politique à ce processus. Le lancement de la campagne de frappe aérienne russe en septembre 2015 a déjà constitué un tournant de cette guerre, ayant fait au moins 330 000 morts et des millions de réfugiés en 6 ans. Il a permis à l'armée syrienne de ravir à Daesh la cité antique de Palmyre et de chasser les rebelles de leur bastion d'Alep dans le nord. Les forces du régime ont chassé dimanche soir les terroristes de Boukamel, leur dernier fief urbain en Syrie.